Donc il y a plusieurs moyens de faire quand on a un problème mécanique comme ça. Enfin, si on laisse faire, ça risque de mal se passer. Même si finalement, quand il est croisé de ce côté-là, bon, il y a un peu moins de chances que ça vienne s'ouvrir. Hein. Ça va se souder, non? Ça, je ne sais pas si ça va se souder, mais en tout cas, bon, il n'y aura pas le poids des fruits qui va ouvrir comme ça. Mais là, on voit quand même que c'est vraiment pas soudé. Donc, il y a plusieurs manières de faire. Donc, comme on disait, tailler sur rameau court, ça voudrait dire affaiblir en envoyant un signal hormonal faible, en taillant donc sur des rameaux courts, sur toutes les branches de cet axe-là. C'est envoyer un signal. Ben, en fait, c'est le signal hormonal. Faible. Ça enlève les gens à picot, du coup, ça, ils sont plus capables d'envoyer les... Et dans un premier temps, en fait, ça fait comme s'il n'y avait que des fleurs, en quelque part, ça, pour essayer de faire croire qu'il peut arrêter sa croissance. Bon, ça va rejeter, hein. Mais en faisant ça, je diminue la croissance de cette partie-là au profit de celle-ci. Et donc, je favorise la croissance et le diamètre de celle-ci par rapport à celle-ci. Ça me permettra l'année prochaine d'avoir un diamètre beaucoup plus important ici et presque pas grossi à cet endroit-là. Et donc, le ratio sera plus intéressant. Bon, sur un côté production, moi, j'aurais tendance à l'enlever dès maintenant. Parce que je vais pas m'amuser à ça. Et donc, ça va rejeter énormément quand même de partout. Si on n'y passe pas au bon moment, on va se retrouver à faire un nouveau plein de clés. Donc là, on peut faire comme ça et comme ça. Hein? Ouais. Voilà, hop. Bon, comme ça, c'est pas esthétique, et comme je vous disais, il faut pas chercher l'esthétique. Hein. Oui, ça. Parce que ça, dès l'année prochaine, on voit plus qu'il y a ce trou de ce côté-là. C'est le premier, je Non, mais c'est possible, effectivement, c'est la première information de cette taille qui aurait pas dû être. C'est ça, qui génère successivement tous ces bazars. Successivement, voilà, il se rappelle ça et du coup il a ce petit stress et à chaque truc il se... Mais on c'est sûr qu'on... Il est fermé après le premier... Oui. Quand même assez, ouais. Ouais. Mais bon, on voit quand même pas tant que ça. Hein. On voit l'angle de base qui est à 60 degrés, là on le retrouve là, 60 degrés, c'est pas... Ça, c'est les codominances, c'est quand on a la tête qui meurt, là, qu'on a une codominance, qu'on a un risque d'écorce incluse là. Là aussi, c'est pareil, ça, on peut enlever ça là. Oui, hein, tu peux. Parce que... Bon, après, on a déjà enlevé pas mal en enlevant la grosse, oui. Donc on a fait l'urgence. Oui, mais là, tant que c'est petit, tu vois, ce truc-là. Non, enfin, celui-là, ça va pas devenir, mais c'est trois là, il va devenir charpentière quand même, donc s'il n'y a pas de. Oui. Celle-là, je pense qu'elle va être subordonnée. Hein. Voilà, celle-là va être subordonnée. Ouais. Okay. Ils sont tous comme ça, tu disais? Oui, là, ils sont tous comme ça. Ils ont tous des problèmes. Ah, le poignet, c'est pas le plus facile. Hein. Donc avec les outils du bord, je fabrique un écarteur. On voit une fourche ici, un angle ici. Ça va me permettre d'écarter la... J'espère que je suis bon au niveau de la taille, là, mais... Ça va me permettre d'écarter un petit peu cette branche-là. Donc il va falloir que j'aille me coincer sous une branche ici, que ça bouge pas. Et là, sous une autre ici, mais vous voyez, ça me permet d'écarter. Puis ça résiste au vent, ça bouge. Le coincer sous une branche, là. Là, peut-être ici ça suffit. Et ça tient suffisamment longtemps pour que le cambium, dès qu'il va pousser et fabriquer un bois de réaction ici, vous pouvez enlever le morceau de bois, la branche elle bouge plus. Mais il faut attendre que le cambium ait repris et qu'il ait commencé à fabriquer du bois. Il y a là, et puis il y a ici aussi. Donc là, on est vraiment sur un optique de taille de formation. Hein. Parce que là,
comme cette branche-là, au niveau de sa longueur, elle concurrence un peu la tête, on a forcément création d'une fourche. Donc ça, c'est pas une branche provisoire. Par contre, celle-ci, elle est provisoire, elle finira par disparaître. Et celle-ci, probablement, finira par disparaître aussi. Mais ces trois-là, ce sont des charpentières et c'est en train de fabriquer une charpente à cet endroit-là. Ok. C'est un intérêt à l'affaiblir pour être sûr que ce soit une secondaire ou on peut la laisser... Je la vois pas dominer encore, moi. Et puis dès qu'elle va faire des prunes, elle va faire... Oups. Ouais, que la plus fine et la plus haute et la moins la plus grosse et la plus fine et la moins haute. Mais c'est pas obligatoirement une branche qui va devenir charpentière, ça. Non, c'est peut-être pour une des secondaires, ça. Comme tu en fait c'est, tu décideras, je pense. Hein? Tu pourras décider si elle devient. Ouais, ça c'est secondaire, ça c'est peut-être encore charpentière. Hein. Oui, ça va. Peut l'être un peu les deux. En tout cas, ce qu'il faut, c'est en enlever une de ces deux-là, parce qu'elles poussent trop proches l'une de l'autre, quoi. Et après, si tu veux qu'elles soient secondaires, celle-ci, là, tu vas la dédoubler sur quelque chose d'un peu moins dynamique, là. Et elle sera peut-être plus secondaire, du coup. Là, on voit qu'il y en a une, quand ça incluse ici. Hop, on a l'œil, on enlève. Après, ça, c'est suffisamment haut pour que ça reste comme ça, ou... Bah, c'est... Ouais, c'est subjectif. Après, tu peux. Ça peut tenir, mais c'est vrai que tant que t'es là et que c'est ridicule, c'est facile de donner un petit coup pour limiter le nombre, bah tu vas le faire et t'es sûr qu'il n'y aura pas de problème mécanique plus tard, quoi. Clac, clac. Bah là, bon, là on le voit, hein. Voilà. On le voit que c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est ça, c'est con. Ça a servi vraiment à rien de faire ça, quoi. On peut la virer celle-là. On peut la virer et en même temps, bon bah c'est juste esthétique là, parce que moi je vois pas de problème mécanique, je vois que ça c'est subordonné, bon bah c'est esthétique. Ouais. Hein. Oui. Enfin, je veux dire si je me disais que tout partait de là et que ça n'existe pas là, ça vous choquerait? Elle vous choquerait ces branches-là? Ben non, pas tant. Hein, si ça partait d'ici. Bon. Est-ce que ça va pas se blesser là? Ben oui. Les frottements là? Oh, y a pas tant de frottements. Non, et puis en plus les frottements de ce genre là. On s'aperçoit qu'il n'y a jamais un champignon qui s'y met. Ouais. Bah, c'est un signe meule. ça les broie les champignons. Donc là, il n'y a jamais un champignon qui se met. Par contre, si vous avez un frottement avec le cambium à nu et que vous nettoyez, que vous ouvrez, là, vous avez un risque d'avoir un chancre. Ouais, ouais. Bon. Après, vous pouvez gratter les deux et puis les souder. Voilà, je vais être. Ou alors donner votre coup de sécateur si vous êtes dès maintenant, comme tu étais parti à faire. Je veux dire, voilà. Tu pourrais. On a un coup de sécateur là. Pour de l'esthétique. Au moins t'auras un peu de prune en bas, quoi. Ah non, mais ça va être coupé celui-là. Tu vois, tu la coupes là, t'as un peu de prune. Puis ça va. Tu finis dans 2 ans et franchi, t'en as le reste. Voilà. Là ça touche plus. Hein. Là ça touche plus, celle-là part vers l'intérieur. On s'en fout que ça parte vers l'intérieur, hein, mais c'est pareil. Ces idées de branches qui se croisent, qui partent vers l'intérieur, bon bah. Non, après c'est quand t'as le choix, quand t'as des choix de coupe à faire. On n'a pas fait grand chose et on le trouve plus sympa. Anne-Claude, champignon. Ouais. Noir là. Probablement aux isosaires. Hein. D'accord. Ouais. Ça fait bien ça là avec la sortie là. Donc là, laquelle? La double là. Ah ouais, quand ça part en deux. Ouais. Ouais. Comme ça. Ouais. On l'enlève celle-là. Pas bien. Du coup, ça va. Un peu long. Et après ça, ah ouais. On veut pas y toucher, c'est champignon. C'est un stock à champignons. Ouais, c'est un stock à champignons. Piste d'atterrissage pour sport. Tu peux mettre une flèche.
C'est des petits détails, tout ça, qui prennent pas beaucoup de temps. Mais sur les arbres, quand ils seront plus âgés, ça se ressentira si ça a été fait. Finalement, en fait, on s'aperçoit, on était parti dire, oh, il n'y a pas grand-chose à faire, mais en fait, on donne un petit coup de sécateur à peu près tous les arbres. Hein. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais... C'est ça. Il y a des petits trucs à voir, un peu partout. Ouais. C'est l'autre. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est l'autre. Après, voilà, juste une question. Ouais, là, on a des départs de fourche éloignés, là, donc une... Mais c'est la crotonie de cette pousse-là. Là. Voilà, de cette pousse-là. Et on l'a partout. On ne peut plus revenir sur une formation de charpente, enfin de fourche plus basse. Du coup, hein. Sans traumatisme, non. Voilà, sans traumatisme. En fait, tu as le droit Alors, si, à la rigueur, en faisant comme ça, partout. C'est ce que je disais, c'est que tu as le droit de réduire la pousse de 1 an. Voilà. Alors là, aucun traumatisme. Hein. Oui. Là, puisqu'en fait, du coup, la crotonie qui allait s'exprimer ici, elle s'exprime ici. Ouais. Donc tu permets de multiplier les axes plus bas. Voilà. Mais une fois que ça s'est ramifié, si je fais ça, y a un traumatisme en fait plus important. Ouais. Et donc là, ce qui risque de se passer, c'est d'avoir des nouvelles réitérations là. Ouais. Alors que ce n'est pas vraiment l'objectif. Il faut savoir si c'est l'objectif ou pas. Voilà, ben, enfin, comme ça s'est passé là. Bon, c'est pas forcément ce que je veux faire sur celui-là, hein, ouais. Pour me projeter aussi sur d'autres arbres. Si par exemple, tu as eu une forte croissance en deuxième année et que après toutes enfin, ça ralentit fortement et que tu as des fourches qui se mettent... Ouais, c'est ça, c'est bizarre. C'est ce qui se passe sur beaucoup d'arbres, là. Ben oui, c'est pour ça. En fait, ce qu'il y a, c'est que... C'est parce qu'il aurait fallu... L'année de la pousse, voilà. C'est-à-dire même en vert, hein. Oui. Même en vert, tu as le droit de le faire. Oui. C'est-à-dire que même en vert, tu as ta pousse qui est verte et qui n'est même pas encore routée. Tu me dire, ah, mais c'est là que je veux la charpente, t'es pas là. Et ben en fait, ce qui va se passer, c'est que même si tu le fais en vert et que tu coupes, il y a des anticipés qui vont sortir. C'est-à-dire que ça va faire sortir, ça va se ramifier tout de suite. Donc en 1 an, tu auras 1-2 pouces. Ouais. D'accord ? Mais ça aurait été plus intéressant. Et si t'attends, c'est 1 pouce, tu l'as réduit en longueur, 2 pouces. Ouais. D'accord ? Ouais. Donc en fait, tu accélères la ramification en fait, ouais, en quelque part. Ouais. Donc sur le pêcher, magique. Parce qu'en fait, tu vas tout de suite densifier et multiplier les spots. Ouais. Plantation, on a coupé. Bah, en même temps, là, c'est pas non plus catastrophique. Là. Non, sur la Mirabelle, il se comporte plutôt bien. C'est pas lui qui est pas. Non. Sur la Mirabelle, je suis assez content. Le coup, c'est pas mal. Là. C'est passé. Ici, rien. Celle-là, par exemple, on ne sortira pas. Mais on pourrait, mais est-ce que ça a vraiment un impact sur quelque chose? Bon. Elle va pas grossir, hein, cette branche-là. Mais elle va pas grossir, non, elle va pas grossir, elle va rester comme elle est. Hein. Pour qu'elle grossisse, il faudrait qu'elle ait des rejets dynamiques dessus. Là, comme il n'y a pas de dynamique, on peut l'enlever. Hein, mais. En principe, l'arbre va la sacrifier bientôt. Très probablement, là. Oui. Enfin, ce qu'il y a, c'est qu'on peut l'enlever dès maintenant, mais il n'y a aucune urgence à l'enlever, quoi. Si pour qu'il fasse son bourrelet plus capriciel, qu'il ait le temps de le faire peut-être dans la salle. Mais l'année prochaine, cette branche-là, elle va prendre un quart de millimètre, alors que l'autre, elle va prendre quasiment 1 cm tout le tour. Et là, on voit que il prend un peu le vent comme ça. Là. Oui. Est-ce que justement, ça peut être intéressant de redresser si on veut refaire... pour pas qu'il continue à ployer avec les fruits, par exemple. C'est beaucoup de boulot pour un résultat, je sais pas trop. Ouais, non, parce qu'en fait, là, il faut imaginer qu'encore une fois, l'année dernière, il a fait des pousses gigantesques. Oui. Enfin, l'année d'avant. Oui. Et là, tout d'un coup, il s'est mis à faire des fruits et il a arrêté de pousser. Après, il a pas fait de fruits. Oui, bon, attends, des fleurs. Ouais. Il a essayé de faire des fruits. Il a fait des fleurs, en tout cas. Ouais, mais justement, si l'année prochaine, dans 2 ans, ça met un fruit, ça va se coucher. Celle-ci qui est censée partir là, elle va se coucher là. Ah oui, mais là, tu pourras pas l'éviter. Hein. Ça, c'est ce que je disais. Si tu dis de la tirer maintenant, peut-être justement la aubaner maintenant, qu'elle revienne ici. Elle va pencher de l'autre côté, ouais. C'était peut-être, de commencer à orienter ça là. Ah oui. À la mise à fruit, elle part plutôt qu'à la mise à fruit, elle part plutôt de ce côté que là-bas. Quoi.
Là, c'est le vent, hein, qui, ouais, tu penses qu'il y a. Mais je suis pas sûr qu'on puisse trop lutter contre le vent. Enfin, tu vas peut-être faire comme ça après. Oui, voilà. Ouais. Non, c'est pas très grave. Les mirabelles, c'est pas très lourd non plus en termes de fruits. Enfin, ça ne oui. va pas énormément. Non, mais là, ce qui est intéressant d'observer, c'est que la croissance très très forte de l'année d'avant, elle aurait pu être réduite. C'est-à-dire que sur les pousses de 1 an qui faisaient 1m50, là, on aurait pu redescendre en longueur. Et là, on aurait eu une ramification qui aurait été plus dense et donc un basculement limité. Quoi. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on aurait pu agir. Là, maintenant, c'est un peu tard, il me semble. Enfin, on pourrait réduire en longueur là, mais si on réduit en longueur, qu'est-ce qui va se passer? De nouveau, on va faire des rejets dynamiques et on va retarder la mise à fruit, quoi. Ouais, c'est sûr. Bon, bah là, il y a un truc à faire là, un peu là. Ouais. Donc, il n'y a pas trop d'intervention a priori sur tous ces arbres. Non, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. Ah. Il y a eu peu d'interventions de fait et du coup, il y a pas grand-chose à faire. La structuration elle est en train de se faire. Hein. Ouais. Vous voyez comme quoi, enfin, c'est pas. On accompagne à la taille de formation, on accompagne. S'il n'y a pas de problème, on fait rien. Hein. Alors sur ça, bon, là, il y a une double fourche. Là, il y aurait peut-être à aller. On pourrait envisager d'enlever celle-ci, mais. Et comme en fait, on est sur un. Il y a plusieurs possibilités et on est sur des structures résilientes. Quoi. Les arbres, ils réagissent en fonction de ce qu'on leur fait. Donc, il y a plusieurs manières de faire et on aurait pu la laisser, on aurait pu l'enlever. Et moi, j'hésite pas parce qu'en fait, on a une idée. Autant aller directement sur cette idée. Et, sinon, on tergiverse, on tourne autour pendant 2 heures. On fait « j'ai le droit, j'ai pas le droit ouais, ». Va-t-il me faire un procès? Va-t-il se venger? Donc faut pas. Une fois qu'on a compris ce qui peut se passer, oui, voilà. Faut y aller. Oui, donc ça c'est dans la jeunesse de l'arbre, dans les 3 premières années, dès qu'on voit quelque chose comme ça, se former avec les. Mettons ben là, c'est de là. Mettons que les deux tiges soient. Regarde, là tu arrives, tu fais oula, là, voilà. J'y suis pas trop. Et voilà, hein, et là et donc, c'est le même truc, donc on en reste un. Là, donc là je règle le souci voilà. Définitivement avec un petit coup de sécateur. Oui. Donc là, maintenant que vous avez les yeux pour ça, regardez-les, hein, ces branches trop proches les unes des autres. Ouais. Parce que ce qui est dommage, c'est que ça, c'est 15 ans plus tard, l'arbre, crac, il s'ouvre et là, mince, ouais. Pas de bol. Ouais. Ben, tu l'attaches. Ouais. Ben, c'est soit tu peux l'attacher, mais regardez ici là. Regardez. Donc si je force, j'arrache. Hein. Ah oui, mais là, il faut faire quelque chose. Hein. Mais sinon, on peut aussi enlever l'écorce de chaque côté. Faut attendre le printemps pour le faire, que les cambiums soient dynamiques et actifs. Et puis après, il faut passer avec quelque chose de plus fin que ça et être sûr d'enlever les écorces. Ouais, c'est chaud, hein. C'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment. Alors peut-être que quelqu'un l'écarte, on enlève, puis après on resserre. Je sais pas. En tout cas, ce qui serait faisable, c'est de se dire soit j'enlève directement, j'enlève ici et puis je réduis ici. Bon, ça fait beaucoup d'interventions pour essayer de sauver cet arbre-là, mais ça vaut peut-être le coup. Hein. Je sais pas si. Bah, en tout cas, faudra faire un choix. Ouais, là, on va faire notre choix. Mais là, à mon avis, c'est pas un truc à. Faut baisser la caméra pour faire le. C'est pas joli, quoi.